Donc la première chose, c'est que sur cette concertation, il n'y a eu que 44 avis du public qui ont été donnés pour un budget quand même qui avoisine les 12 millions d'euros de travaux. Donc ça nous semble complètement illusoire d'accepter un bilan de concertation avec si peu d'avis, d'autant que dans ces avis, il n'y a quasiment que des cyclistes. Les piétons ont été ignorés, les chauffeurs de bus, les livreurs, je ne parle même pas de ceux qui partent au travail tous les jours, ils n'ont pas du tout été interrogés. Donc pour nous, la concertation, elle est biaisée.